Du coup, on va corriger si ça vous va. Je ne sais pas si ça allait le sujet ou si c'était chelou. Je vais vous mettre la correction. Ah. Et si jamais vous entendez une personne chelou qui crie, c'est le voisin de là où je suis. Et j'en suis navrée. Le gars est chelou. Voilà. Partager. Là, je suis con. Ça allait la colle ou pas? Enfin, de toute façon, je verrai bien, mais. Oui, parce qu'il y a des gens dans la discussion. Ça va, bon, tant mieux. Ok. N'hésitez pas si jamais. Spécial. Ah merde. N'hésitez pas si jamais vous voulez parler aussi à vive voix, de vive voix. Écran partagé. Ça devrait marcher là. Ok. Du coup, j'avais écrit la correcte. Si ça vous va, on fait petit à petit et vous me dites ce que vous avez répondu ou ce que vous auriez répondu. Du coup, donc c'était sur un anticoagulant. J'ai essayé de mettre des vraies valeurs pour pas inventer des trucs. Voilà. Donc si vous connaissiez tous les trucs du rivaroxaban, c'était bon, vous aviez tout. Mais bon, sinon je vous avais mis dans l'énoncé. Donc c'était sur le rivaroxaban qui était administré par voie orale. À dose de 20 mg chez un patient de 70 kg, c'était en post-AVC, avec une FA. Donc il avait un DFG de 70, une clairance à 100. Voilà. Et du coup, ouais, il faisait une cinétique plasmatique avec un modèle bicompartimental. J'ai eu une question dans le chat, j'ai vu sur le modèle. Du coup, pour rappel, parce que je ne sais pas si c'est clair. Et vous me dites si vous avez des questions et vous n'hésitez pas et j'essaierai de répondre. Pour un modèle monocompartimental, c'est quand on a un compartiment et du coup, en gros, c'est soit en IV où on n'a que de l'élimination parce que de l'absorption, ben, y en a pas besoin parce que c'est déjà à fond, soit en voie orale où il y a absorption et élimination, mais c'est toujours dans le même compartiment. C'est des modèles monocompartimentaux. Par contre, le bicompartimental, c'est quand on va avoir un phénomène de distribution qui va, en fait, on va avoir un compartiment et un deuxième compartiment, donc bicompartimental, et du coup, il y a un phénomène de distribution entre les deux. C'est ça un modèle bicompartimental, et c'est pour ça que dans l'énoncé, quand, enfin, je n'ai pas répondu parce qu'en fait, enfin, c'était une administration par voie orale à dose unique avec un modèle à deux compartiments dans le sens où il y avait de l'absorption, de la distribution et de l'élimination, ce qui est majoritairement ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a très peu de modèles. Monocompartimentaux où il n'y a pas de distribution en fait. C'est très du bicompartimental. Voilà. Et ce que pour, enfin bon, ça tombe pas normalement à l'internat, mais le modèle à trois compartiments, ce serait quelque chose avec une distribution qui n'est pas monophasique, donc en gros une distribution qui est lente puis rapide ou rapide puis lente, je sais pas. Enfin voilà, plutôt rapide puis lente, je pense. Et voilà. Donc ça c'est trois compartiments, mais pour le coup ça tombe pas, donc on s'en fout. Par contre deux compartiments, voilà. Tu sais, un full rein, ça pique, j'en suis navrée. Voilà. Voilà. Oui. Comment les différencier entre les deux? C'est-à-dire les mono et Oui, bicompartimentaux? Ouais. excuse-moi. En fait, je voulais dire, c'est moi qui ai posé la question dans le chat de Ouais. la colle là par rapport. En fait, j'avais pas vu le D, il était coupé, j'ai lu en diagonale. Non, pas, en fait, j'ai. Simplement. Ok, nickel. Voilà. Et puis, comme c'est jamais tombé dans les annales, on une voix Ouais, non, orale non, mais de ok, compte, ouais, pas de non? souci. Mais Je ne m'y ouais, attendais c'est pas. plus clair là, du coup, ou pas? Ouais, c'est clair, merci. Nickel. Et du coup, il y a quelqu'un qui me demande comment différencier entre les deux, différencier chaque constante, élimination, distribution, élimination, absorption. Ah, oui. En gros, quand vous apprenez les formules, c'est ça que tu veux dire. Quand vous apprenez les formules, par exemple, là, la formule, enfin, on va le voir après, c'était moins A plus B plus D. En gros, l'absorption,
C'est le négatif. Donc, en gros, si t'as, s'ils inversent les chiffres, ce n'est pas un souci parce que tu vas le retrouver. Le négatif, c'est forcément l'absorption. Et après, normalement, ils te le donnent, sinon tu le retrouves en vrai. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais en vrai, souvent, tu captes le moins, c'est forcément l'absorption. Et après, entre B et D, généralement, tu trouves ce que c'est, ou alors ils te le donnent. Mais là, de tête, je t'avoue, je trouvais. Mais, mais ils ne te piègent pas sur lequel est l'élimination, lequel est la distribution. Ça, c'est pas... ils ne piègent pas normalement. Voilà. Là, pour l'absorption, oui, c'était lequel, du coup, c'était le D, l'absorption. C'est le B, je sais plus. Le B, c'était la distribution, et le D, c'était l'élimination. Mais en soi, tu t'en fiches. Enfin... Ah ouais, oui, d'accord. Ah non, l'absorption, c'était le A, du coup. Oui, l'absorption, c'était le A, pardon. Oui, non, mais je comprends ta question. Entre le B et le D, c'était lequel? Ben, moi, j'avais mis parce que dans les livres, c'est B, c'est distribution, et D, c'est élimination. Mais ouais, il te l'aurait peut-être mis, je sais pas. Ouais, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Mais ouais, en convention, le A, c'est absorption, pardon, le B, c'est distribution, et le D, c'est élimination. Je m'étais jamais posé cette question. Ben, je pense que je faisais comme ça, du coup, par convention. De tête, je ne me rappelle plus, mais je pense que je faisais comme ça en vrai. Ok. Voilà, love you. Ok, du coup, l'équation du modèle. Tristesse, je l'ai affichée. Bon, l'équation du modèle, c'était moins A exponentielle. En gros, c'est l'équation du modèle bicompartimental. Pour la voie orale, donc il y a de l'absorption, de l'élimination, comme on disait tout à l'heure, et de la distribution. Et donc, c'est un peu comme c'est la même équation en soi que d'habitude, c'est juste qu'il y en a un en plus, quoi. Donc, c'est moins A fois exponentielle de moins alpha T plus B plus D. En gros, c'est ça. Je vous ai mis les points aussi parce que je ne sais pas si on vous a dit que la méthode rédactionnelle, ça comptait pas mal au concours. Je suppose que oui, on vous l'a déjà dit. Mais pour le coup, en PK, on a l'habitude de, par exemple, quand on nous demande une question comme ça, de toujours définir les termes qu'on utilise. Donc là, c'était l'absorption, la distribution, l'élimination, et de mettre s'il y en a des unités. Donc là, c'était R-1. Voilà. Et la deuxième partie de la question, c'était, existe-t-il un temps de retard à la résorption ou lag time? Donc, est-ce que vous savez comment le calculer, ça ou pas? Il me semble qu'il faut calculer la concentration à t égale 0. Et si on trouve une valeur négative, ça veut dire qu'il y a un lag time. Oui, c'est ça. En gros, le lag time, c'est le temps de retard d'absorption, donc le temps de latence entre le moment où vous prenez le médicament et le moment où il est absorbé. Et du coup, ça se calcule, en fait, vous prenez la formule que vous avez écrit là, donc l'équation C est égale à moins A plus blablabla, et en fait vous voulez que C est égal à 0, et donc vous allez mettre en exponentielle, je vous mets la correction, pardon, vous allez mettre en exponentielle 0 à chaque fois, et vous allez regarder si cette équation là ça vous fait 0 ou pas quand vous mettez le exponentiel à 0. Donc en gros, si vous additionnez le moins A, le B et le D. Et quand vous additionnez le moins A, le B et le D, ça vous fait ici moins 9,3 nanogrammes par millilitre, ce qui ne fait pas 0. Et donc, vous pouvez dire qu'en fait, il y a un retard à la résorption. Voilà. Parce que ce n'est pas égal à 0. Voilà. Et après, je vous avais mis justifié. Est-ce que vous avez mis un truc ou pas en justification? Pas. Différent de 0, donc lag time, ok. Le flip-flop, c'est encore différent, me semble. A et B différent, ouais, si jamais on avait mauvaise solubilisation, sinon on va oral. Ok, c'est bien. Moi, j'avais mis que la concentration théorique est négative à t égale 0 et que donc il y avait un lag time. Souvent, quand on vous demande existe-t-il un temps de retard à la résorption, il faut répondre par oui ou non. Donc là, mot-clé, j'avais mis oui. Je ne sais pas s'il le compte vraiment en PK, les mots-clés oui ou non, mais bon, dans le doute, moi je le mets. Donc oui, un temps blablabla sera nécessaire pour que ces concentrations théoriques deviennent positives dans le plasma, ce qui prouve qu'il existe bien un temps de retard à la résorption. Voilà. Ce que vous voulez, mais je pense que dans la réponse, il faut marquer résorption, concentration théorique, enfin ce genre de mots-clés. Même en PK, il y a deux, trois mots-clés
à essayer de caler. Voilà. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des problèmes. Après la suite, on avait le calcul des clairances totales et rénales. Donc là, on avait pas mal de choses dans l'énoncé. Est-ce que vous avez réussi à la faire, cette question, ou pas? Pour la clairance totale, on fait KE fois VD. Ok. N de 2 sur T1,5 fois 0,7 fois 70 kg. Et on trouve. Ouais. Nickel. Nickel. Ok. Donc là, ce qu'elle a fait, ouais, c'est qu'elle a, elle a dit que la clairance totale, c'était KE fois VD. Du coup, après, on met les termes qui vous coûteront des points si vous ne les avez pas mis, j'en suis désolée. Voilà. Et donc, le F. Le KE et le VD, c'est la constante d'élimination du médicament fois le volume de distribution. Ça vous donne la clairance totale. Si vous êtes perdu sur les équations, généralement, c'est pas mal de faire en, c'est pas mal de faire en unité. Vous perdez moins. Voilà, enfin, on se perd moins. Et après, donc, pour trouver le KE, on n'avait pas le KE. Par contre, on avait le temps de demi-vie. Et donc, si je vous l'affiche, je mets la réponse de l'autre. On avait le temps de demi-vie et du coup, vous pouviez le trouver. Ouais. Pour les approximations, je vous en ai pas parlé, pour les approximations de calcul pour mettre le nombre de chiffres significatifs, nous ce qu'on nous a dit à Toulouse, c'était qu'en gros dans l'énoncé, si vous avez, mettons, deux chiffres significatifs après la virgule dans l'énoncé du concours, je veux dire, vous considérez que ces deux chiffres après la virgule, la précision qu'il faut avoir pour répondre dans vos réponses, ça veut rien dire. Bref, vous m'avez compris. Du coup, voilà, parce que je voyais le 0,14. Donc, si dans l'énoncé, il y a deux chiffres, il faut mettre deux chiffres en théorie, en tout cas en PK. Bon, voilà. Mais bon, on nous avait aussi dit que si le chiffre n'était pas logique, genre un VD à 51,23, si on marque ça, notre prof de fac, il nous avait dit, ça veut dire que vous n'avez rien compris en PK. Donc, bon, voilà. Ça dépend des chiffres que vous utilisez, je suppose. Voilà, donc le KE, ok, et la clairance totale, donc ça faisait KE fois VD, et le VD, pourquoi tu as dit qu'il fallait multiplier? Parce que je vous avais donné le VD en par kilo et qu'il fallait le... Voilà, du coup, tu as raison, voilà, c'était là. Volume de distribution, 0,7 litres par kilo, donc tu faisais fois 70 et tu trouvais le bon truc. Et du coup, pour la clairance rénale, c'était la fraction d'élimination fois la clairance totale. Et tu trouvais 2,1. Est-ce que vous trouvez les mêmes chiffres que moi ou pas? Ou dans à peu près? Ok, nickel. Désolée, j'ai grave du mal à suivre en même temps le chat. Les unités devraient être en litres par heure. J'ai mis en litres par minute. Ah non, on s'en fout. Oui, tant que... Non, non, t'inquiète. Tant que tu mets le bon résultat, si c'est en litre par minute, je m'amuserai à recalculer en litre par minute. C'est pas grave. Je pense que ça influe pas dans le concours. En vrai. Donc, si on a calculé le KE à la question 1. Il y a trop de questions. 6,8, 2,04, c'est nickel. J'ai pas compris la question de la dernière personne. Ah, pourquoi on aurait calculé le KE à la question 1? Il faut pas calculer le KE à la question 1. Oui. Pour le mettre dans l'équation. J'ai pas eu à calculer le KE. Ah oui, vous avez. Ah, d'accord. Bah oui, du coup, vous le remettiez à la question 2. Non, en vrai, je voulais juste l'équation du modèle. Je voulais pas que vous calculiez le truc parce qu'en fait, vous aviez pas toutes les données. Vous aviez pas bêta, vous aviez pas. Enfin, du coup, ouais. Ouais, vous le remettiez à la question 2, désolé. Je pensais pas que vous l'aviez mis à la question 1. Ok. Bon, sorry. Je vous compterai les points, vous en faites pas. Ok.
Ok, nickel. Bon, question 3. Indiquer si ce médicament est plus réabsorbé ou sécrété au niveau rénal. Bon, ça, normalement, c'est typique. Ça arrive, ça se croise souvent dans les annales. Donc, est-ce que vous avez une idée de comment faire ou pas pour calculer si c'est plus réabsorbé ou sécrété? Ouais, on compare la clairance rénale et la clairance FG. Du coup, l'équation, c'est quoi pour comparer ça? Je me sens si seule, personne ne me parle. Ok, FU fois DFG, ouais. Ouais, nickel. Donc, non, il ne manquait pas la FU. Elle était cachée quelque part. Ouais, je l'avais cachée. Je ne suis pas très sympa. OK. Du coup, donc c'était clairance rénale est égale à la clairance de filtration glomérulaire plus la sécrétion plus moins la réabsorption, pas plus d'ailleurs. Et donc, il y a trop de messages. Non, mais en fait, le problème que j'ai eu avec une amie qui le faisait en même temps, c'est ouais. La première question, c'était bien pour l'AOD, le 95%. Et en fait, en dessous, vu qu'on a vu médicament M, on s'est dit que c'était peut-être un autre médicament complètement différent. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé 0,05, mais mon amie, elle m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à calculer parce qu'il manquait la FU et que c'était celle de l'AOD. Donc voilà, Ah merde, oh, je suis désolée. Ah, je suis triste. Mais comment elle a fait? Je crois qu'elle ne l'a pas trop fait, du coup, mais voilà. Ah, I'm sad, ok. Ah ouais, je sais pas, non, j'avais donné un nom, j'étais contente. Ok. Merde, ok, bon. Je ne ferai plus ça, je ne donnerai plus des petits noms. Ouais, non, mais vous avez raison. Ouais, non, du coup, c'était le même. Et il fallait utiliser le FU de là. Ok, désolé. Du coup, bon, voilà. Là, je suis con, c'est un moins. Mais on s'est compris. Ça fait le bon résultat, normalement. Pourquoi j'ai mis un plus? Bon, je changerai. Clairance de filtration glomérulaire, clairance de sécrétion, clairance de réabsorption. Donc, toujours marquer les notations. C'était bien FG plus sécrétion moins réabsorption. Le FG, vous avez bien identifié que c'était le FU fois le DFG. Du coup, les personnes qui ont encore plus réfléchi ont dit que le FU, ce n'était pas le bon, mais c'était bien le bon. Désolée. Plus la sécrétion, la réabsorption. Ces deux-là, vous ne pouviez pas le calculer, vous aviez raison. Et donc, il fallait faire par comparaison. Donc, vous pouviez calculer la clairance rénale, la clairance de filtration glomérulaire. Enfin, vous aviez la clairance rénale déjà et la filtration glomérulaire, vous la calculiez. Et donc, vous pouviez, en bidouillant la formule, arriver à comparer les deux, en gros. Voilà. Plus sécrété que réabsorbé. J'espère que je ne me suis pas trompée dans le calcul parce que là, ça me fait peur comme j'ai mis un plus. Hein. Vous avez trouvé pareil ou pas? Ou j'ai merdé avec le plus? Ouais, on a trouvé pareil. Ok, donc c'est juste moi qui. Ok. Nickel. Donc, ça, normalement, c'est typique. Donc, ça devrait aller. Et après, voilà, j'avais mis une question. Parce que je m'étais dit, je ne sais pas, peut-être qu'il pourrait faire une question en mode il faut adapter. Parce que je l'avais croisé une ou deux fois qu'il fallait adapter la posologie du médicament. Et donc je me suis dit que ce serait sympa parce qu'imaginons, il y a un patient qui devient insuffisance rénale aiguë et qu'il faut réadapter le. Parce que ça arrive souvent en clinique, il faut réadapter. Du coup, c'était intéressant, je trouvais, de voir en pharmacocinétique pourquoi on réadaptait à tant de posologie. Du coup. Est-ce que vous avez réussi à trouver une stratégie? Il y avait deux méthodes possibles pour réadapter la pose du médicament. Et je pense qu'il y en a une qui est plus utilisée que l'autre. Le rapport. Clairance rénale sur clairance DFG. Avec un produit en croix, ouais, c'est ça, en gros, c'est l'idée. Ça, ce sera la méthode la plus utilisée, je pense. Pour les points, je verrai quand j'aurai les copies, je pense. J'ai calculé la nouvelle clairance créate, puis j'ai fait une règle 3, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est bien. OK. Parce qu'on était en minutes, et j'ai voulu me foutre en heure, je crois. Je crois que c'était ça, le...
mon avis, c'était ça. 0,05 fois 0,07. C'est ça. Et comment tu as fait du coup en utilisant le rapport? Ah oui, mais c'est pareil. Oui, tu as utilisé clairance rénale sur clairance de filtration glomérulaire. Et si le rapport est supérieur à temps, tu as dit que... je ne sais pas si ça marche. Excuse-moi. Ouais. Pour la clairance de filtration glomérulaire, moi j'ai trouvé 0,3 litres par heure. Et quand on fait c'est CFU fois DFG, FU c'est 0,05, on est d'accord? Ouais. Et le DFG il est à 100 ml par minute. Ouais. Donc quand on fait 0,05 fois 100. Ouais, il est à 70. Il est à 70 ml par minute, le DFG. C'est la clairance de créate qui est à 100. C'est ça le truc. Pourquoi confondre la clairance de créate et le DFG? Du coup. Ouais, moi, en utilisant le DFG, j'ai aussi trouvé 0,3 litres. En 3,5 millilitres minute, quoi. 3,5 millilitres minutes. Mais à quelle à la question 3? Oui, oui, la question 3. Au lieu de 2,1? Au lieu de quoi? Oui, au lieu de 2,1. C'est... Mais c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que j'ai merdé avec le plus? Parce que genre, vu que je me fais peur en voyant, je vois que j'ai mis CLFG plus sécrétion plus rassemblement, alors que c'est un moins. Je me demande ce que j'ai glandé, c'est pour ça. Mais non, si tu convertis sa valeur ouais, je pense que c'est en litres bon, par heure, c'est pareil. Attends, 0,05 fois 0,07 fois 60, on est d'accord que c'est ça? Ah oui, oui, oui. C'est que moi, je suis en millilitres minutes, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça le problème, je pense. Ah, ok. Mais je pense que tu as raison, que je me suis trompée de 1,10, non? Parce que c'est 0,05 fois 0,07 fois 60. Moi, je trouve 0,21, là, en le refaisant. Et du coup... Oui, mais c'est ça, c'est ce que tu as trouvé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Tout va bien. Ok. Est-ce que le problème est réglé ou pas? Ou est-ce que ça va pas? Parce que la clairance rénale, elle était de 2,1. Non, c'est bon. Ok. Et par contre, pour la personne qui me disait qu'elle avait utilisé le rapport, il y a moyen, c'est bon. Mais j'avoue, j'ai jamais fait. Du coup, je saurais pas te dire si c'est bon. Parce qu'en vrai, clairance rénale sur clairance de FG, ça me semble un peu foireux. Je sais pas. C'est une méthode? Bon, bah c'est une méthode, alors. Ok. C'est une méthode. Ok. Bah, tant que tu as trouvé pareil, ça me va. C'est bravo. Voilà. Ok. Et du coup, pour la poso, est-ce que... Il y en a, ils ont fait un produit en croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une autre méthode ou pas? J'avoue, la deuxième méthode, elle est plus compliquée. Du coup, je ne sais pas si c'est... voilà, mais bon, imaginons, je ne sais pas, vous n'aviez pas la clairance de créate ou une connerie et que vous n'aviez que ce moyen de calculer. Je voulais que vous l'ayez au cas où. Même si en vrai, de vrai, je ne l'ai jamais pu utiliser. Je vends très bien la méthode numéro 1. Ok, donc... pour adapter la poso, donc vous avez raison, il fallait calculer la clairance de créatinine du patient qui était en insuffisance rénale. Donc toujours les fucking trucs qu'il fallait marquer là pour dire qui est quoi et avec quelle unité. Donc la formule pour calculer la nouvelle clairance de créate, c'est bien la clairance de créate est égale à la concentration urinaire en créate fois le débit urinaire sur la concentration plasmatique. Et donc, en prenant les chiffres qu'on avait avant, qui étaient donnés, on avait clairance de créate, je l'ai appelée prime du coup, mais je ne l'ai pas marqué, et d'ailleurs, ça me... c'est pas bien. Mais prime du coup, c'était chez l'insuffisance rénale, et donc c'était 5,3 fois
500 sur 250 divisé par 0,3 et normalement trouver 35,3 millilitres par minute. A priori, ça, c'était bon. Donc, c'était la nouvelle clairance de créate. Et donc là, à partir de ce postulat de nouvelle clairance de créate, il y avait deux solutions. Soit la méthode 2 que pas mal de gens ont utilisé, enfin que j'ai appelé la méthode 2, du coup, vous preniez avant insuffisance rénale, c'était bon, la clairance totale est égale à la clairance non rénale plus la clairance rénale, avec la non rénale qui était égale à, ben, vous faisiez la différence entre les deux trucs que vous aviez calculés. Donc 6,9 moins 2,1, ça faisait 4,8 litres par heure. Et du coup, après insuffisance rénale, dans tous les cas, la clairance non rénale, elle ne bouge pas. Donc là, on va dire la clairance hépatique, elle ne bouge pas parce que ce n'est pas ça qui est touché, c'est le rein. Du coup, c'est toujours 4,8. On va supposer qu'il n'a pas une défaillance multiviscérale, sinon c'est la PLS. Et du coup, la clairance prime rénale, donc la nouvelle clairance de l'insuffisance rénale, c'est l'ancienne clairance rénale que vous aviez déjà calculée avant, fois la nouvelle clairance de créatinine sur l'ancienne clairance de créatinine. Donc ça, voilà, c'était le fameux produit en croix que vous proposiez. Et donc, en théorie, ça devrait faire clairance rénale nouvelle est égale à 0,74 litres par heure. Voilà. Et donc, après, vous aviez juste à additionner pour la clairance totale nouvelle, qui était de 4,8, toujours pareil, plus 0,74 est égal à 5,5 litres par heure. Voilà. Et donc après, ce que vous pouviez faire, c'est un peu long, mais bon, voilà. Ce que vous pouviez faire, c'est finir, parce que ça ne suffisait pas de dire la nouvelle clairance. Il fallait dire que ben, la clairance d'élimination totale, elle avait diminué d'un certain facteur, qui était ben, la clairance totale d'avant divisée par la nouvelle clairance totale, donc 6,9 divisé par 5,5. Ça vous faisait un facteur de, je ne sais plus combien, 1,5, du coup, 1,25. Et donc, il fallait mettre oui, en mot-clé, la posologie doit être diminuée de ce facteur-là. Voilà. Et donc là, vous l'appliquez au médicament si vous voulez aller jusqu'au bout. Il fallait l'appliquer au médicament et dire que ben, c'était un médicament qui était à 20 mg par litre, 20 mg, pardon, et qu'il fallait le diviser par ce même facteur, donc passer à 16 mg. Et qu'en pratique, en fait, quand on regarde le Vidal, ben, quand on a une insuffisance rénale aiguë avec ce DFG là ou je sais pas quoi, enfin avec ce DFG en tout cas, quand on regarde dans le logiciel pour adapter, on passe à 15 mg par jour. Voilà. J'ai galéré pour que ça colle à la réalité, mais n'y arriver. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, cette méthode. Il y en a pas mal qui l'avaient utilisée. Donc, c'est bien ça. C'est d'abord, on calcule la nouvelle clairance de créatinine avec cette formule. Une fois qu'on a la nouvelle clairance de créatinine, on essaye de comparer la clairance nouvelle et la clairance ancienne par un produit en croix. Enfin, on trouve la nouvelle clairance rénale, on fait un produit en croix et ensuite, on applique le facteur à la posologie. Donc, voilà. Enfin, je vous ai tout marqué. Là, ça doit être, pour ceux qui ne connaissaient pas la méthode, c'est un peu brouillon en explication, je pense, mais je vous ai marqué par étape pour essayer d'être la plus claire possible. Voilà. Et la méthode numéro 1, du coup, méthode que je n'avais jamais utilisée. Mais comme je l'ai croisé, je me suis dit, imaginons, je ne sais pas, ça tombe. Imaginons, ça tombe et on ne connaît pas ce que c'est que le degré, le degré d'insuffisance rénale, alors que c'est un truc pas compliqué en soi en formule. Ce serait con. Du coup, le degré d'insuffisance rénale, c'est la clairance de créatinine de l'insuffisance rénale, sur la clairance de créate du mec sain. Donc en soi, vous l'aviez calculé là tout pareil. Vous aviez toujours le 35,3. Du coup, vous faisiez le coefficient, en fait, le coefficient. Donc, 35,3 sur 100, ça faisait 0,35. Et donc, il y a un truc qui s'appelle le facteur correctif de posologie. Donc, c'est un truc fait exprès, en fait, pour ça. C'est 1 moins FE fois 1 moins KF. Et donc, en fait, avec ça, vous pouvez calculer de quel facteur vous devez corriger votre posologie. En soi, c'est peut-être un peu moins compliqué pour le cerveau, mais bon, c'est deux formules à utiliser en plus, donc c'est comme vous voulez. Et donc, la posologie chez l'insuffisance rénale, c'est la posologie de base fois ce facteur correctif qu'on a calculé. Et donc, ça vous faisait pareil, 16 mg. Et donc là, j'ai refait une phrase de réponse où il y avait « oui, la posologie doit être adaptée, blablabla, c'est 16 mg ». Et toujours pareil, en pratique, c'est 15 mg par jour. Voilà, donc en gros, deux méthodes, soit une méthode de logique où on a un produit en croix, on essaye de se démerder, et voilà.
soit une méthode où on calcule un degré d'insuffisance rénale avec juste le rapport des deux clairances, en fait, hein, et une formule qu'on doit connaître qui est la formule du facteur correctif par lequel on multipliera ensuite la posologie de base pour trouver la posologie de l'insuffisance rénale. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Je ne sais pas si je suis allée trop vite ou pas. Bon, c'était pour essayer de vous faire appliquer un truc d'insuffisance rénale. Parce que j'ai l'impression qu'ils commencent à faire des cas un peu appliqués à la vie réelle dans les annales, je ne sais pas. Du coup, je me dis, pourquoi pas l'insuffisance rénale dans un truc et ils essayent de vous faire calculer des nouvelles posologies. C'est déjà tombé. Donc... Voilà. J'espère que ce n'était pas trop chaud comme col. J'essaie de faire un truc bien. Bon, je vais changer le plus, là. C'est honteux. Et voilà. Et après, il y avait la question bonus. Qui était bonus parce que ça tombe jamais et que j'avais envie de le mettre parce que moi je l'avais découvert tard et je me suis dit mais si jamais ça tombe ce calcul de distribution et qu'on ne sait pas le calculer alors qu'en fait il nous donne tout dans l'énoncé, c'est quand même vachement con. Donc je ne sais pas si quelqu'un sait le faire. En soi quand on l'a vu ça va, mais il faut connaître la formule comme d'hab en PK. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette formule du VD. Ouais, VP plus VT fois FU sur FU, ouais, c'est ça. En gros, c'est le volume de distribution, c'est juste une autre manière, en fait, de le calculer. Volume de distribution, c'est le volume du plasma plus le volume des tissus fois la fraction libre dans le plasma sur la fraction libre dans les tissus. C'est une formule de merde à retenir, mais du coup, ça vous permet de calculer le volume de distribution d'une autre manière. Imaginons, je ne sais pas, il vous donne que ça. Enfin, ce serait horrible, en vrai, mais bon. S'il vous donne que ça et que vous êtes totalement bloqué dès le début, moi, c'est mon cauchemar. Donc voilà. Et tu trouves 44,2. T'as mis quoi comme... T'as mis un plus. Ah, ben, bah, tristesse. Ouais. Ouais. Force à toi. OK. Bon, voilà. Donc ça, c'était... Mais déjà, tu connaissais la formule ? Quasiment. Donc, c'est bien. Et voilà. Et vous pouvez noter que juste marquer FU du plasma, fraction libre du plasma, ça vous faisait 0,5 et 0,5, donc 1 point sur 3. Voilà. Donc, en vrai de vrai, en PK, même si vous avez faux, si vous marquez, je pense, les trucs là, clairance créate est égale à clairance de créatinine en millilitres par minute, il y a moyen de gratter pas mal de points. Donc, en vrai, même si vous n'arrivez pas du tout à marquer les trucs, enfin, à faire le calcul ou quoi, ouais, il y a mon mec qui se fait de la bouffe derrière, je suis navrée. Ouais, c'est moi. Voilà, désolée. Il a faim. Voilà. Et du coup, essayez de marquer des trucs au maximum, même si vous ne savez pas calculer des trucs. Il y a quelqu'un qui te dit bonne après. Voilà. Voilà. Qu'il en fasse pour nous aussi, non. Bon, voilà. Donc ça, c'était le sujet de des exos. Et après, du coup, il y a les QCM. Si jamais vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Voilà. Et si je n'arrive pas, ben, je prends la question et je réfléchis. Et ensuite, je vous dirai. Voilà. J'irai sur le canal PK si jamais vous avez des questions et que je ne sais pas répondre. N'hésitez pas. Ouais, le moins. Je pense à corriger le moins. Ok, bon, bah, si ça a été utile, tant mieux. Et donc, la question 1, comment on peut savoir à quelle phase correspondre ? Ouais, non, mais ouais, il y a quelqu'un qui a posé cette question. Ouais. Ben, moi, ce que je faisais, c'est que dans tous les cas, le moins, c'est l'absorption. Et le B et le D, j'avoue que je ne me rappelle plus comment je faisais. Je ne sais plus comment je faisais en vrai. Faut que je re-regarde les annales pour voir s'il y a des fois où c'est ambigu ou pas. À tout moment, c'est juste moi où c'était ambigu. Et en fait, dans les annales, c'est jamais ambigu. Mais faut que je vérifie. Donc, je regarderai. Et après, l'autre question, c'est... Ah. Ouais, normalement, il y a une grande diff. Mais en vrai,
C'est bancal quand même comme réponse. Je vais chercher quand même. Je vais vérifier s'il y a un moyen de savoir. Mais en vrai, je faisais par rapport à la gueule du truc, mais ce n'est pas une réponse acceptable. Et après, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Tu utilises aussi un bicompartimental ? Oui. Oui, du coup, il y a la formule en bicompartimental aussi. C'est pas un problème, ça. Ça s'utilise. Enfin, moi, j'ai pas vu quelque part que ça s'utilisait pas, non. Donc, pour moi, ça s'utilise. J'utilise un bicompartimental, oui. OK. À partir des valeurs, je veux dire pourquoi 0,7 sur les... Non, mais j'ai compris la question. J'ai compris la question pour 0,7. Pourquoi ce serait l'élimination et pas autre chose? Je cherche. Et je te dis. Si je trouve la réponse sur le canal PK, je te dis pour le 0,7, pourquoi ce serait l'élimination. Ouais, voilà. Voilà. Alors, du coup... Après, il y avait... Mince. Ah. Je crois. Yes. Il y avait les QCM qui étaient full néphro. Et voilà. Donc, j'ai fait un mix de... J'ai fait un mix de... d'anal, pardon, et de trucs innovants. Et il y avait des négations, mais c'est pas moi. Voilà. Enfin, il y en a une, c'est moi, mais il y en a deux, c'est pas moi. Donc, parmi les propositions suivantes concernant le DFG, une seule est fausse. Qu'est-ce que vous avez mis ? Il y en avait une seule de fausse pour le QCS 1. Et je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, il y en a qui disent B, il y en a qui disent D. Ouais, c'était la D qui était fausse. C'était un truc d'anal, ça. Donc, le DFG, c'est bien mesuré par la clairance de créate. C'était bien, il a augmenté par libération du facteur natriurétique auriculaire. Ça, c'était bon. Il représente en moyenne 16 à 20% du débit plasmatique rénal. C'était bon aussi. Et il diminue avec l'âge, bien sûr. Mais par contre, il augmente pas du tout à l'effort. Voilà. Donc, voilà. Quand vous avez un doute entre plusieurs propositions, essayez de prendre celle qui vous paraît le moins cohérent. Si vous devez l'éliminer ou à contrario, si jamais il n'y en a qu'une à cocher, essayez de cocher celle qui vous paraît la plus juste. C'est facile à dire, hein, mais bon. Parmi les propositions suivantes, laquelle est... Ah. Oui, ça diminue le DFG, donc ça augmente pas l'effort, donc c'est faux. Pas compris la question. Il y a marqué que le DFG augmente à l'effort. Du coup, c'est faux. Donc, je le coche. Je n'ai pas compris la question. Ah, le débat, c'est sur la B. D'accord, OK, pardon. Oui, la B, elle est vraie, hein. Ok, question 2. Je ne sais pas si vous préférez que je vous pose la question ou si je vous montre la... Bon, je vous pose la question et si ça vous embête, je vous montrerai la correction. Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte ? Le canal collecteur du tubule rénal, laquelle était inexacte ? Ajustement de l'élimination de calcium, perméable à l'eau, soumis à un gradient de pression, ajustement de l'élimination du potassium... Ouais, en vrai, ouais, la B. Genre, ça pue la B. Enfin, voilà. C'est toutes les autres réponses. En vrai, c'est un site majeur d'acidification de l'urine. C'est perméable à l'eau avec l'ADH. C'est soumis à un gradient de pression. Il y a un ajustement de l'élimination du potassium. Par contre, l'élimination du calcium, non. C'est pas le canal collecteur du tube rénal. Voilà. Pareil, ça, c'était un truc. Moi, j'ai modifié celle d'après. Proposition suivante, une seule est exacte, le segment du tubule rénal strictement imperméable à l'eau, c'est lequel ? Encore une question pute. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est majorité de C, magnifique, magnifique.
Parmi les propositions suivantes concernant le glucose, il y en a une qui est fausse. Laquelle ? Filtré par le glomérule rénal, concentration identique dans le plasma et l'ultrafiltre agglomérulaire, absorbé par le tubule rénal proximal, augmente dans le sang lors d'une insuffisance rénale, considéré comme une substance à seuil. Donc, il y a des B, il y a des D, et on n'est pas d'accord entre nous. OK, donc c'est la D qui est fausse. Il n'augmente pas du tout dans le sang lors d'une insuffisance rénale, le glucose pour le coup. Et par contre, il est bien en concentration identique dans le plasma. Les quatre premières, c'était des annales. En vrai, je n'ai pas, j'ai pas changé parce que je ne suis pas très inspirée sur les QCS. J'aime pas trop ça. Du coup, non, c'est concentration identique dans le plasma et l'ultrafiltra. Par contre, ça augmente pas du tout dans le sang lors d'une insuffisance rénale. OK, ça, c'est moi. Une insuffisance rénale chronique ne peut être responsable de... Alors, on avait anémie, trouble phosphocalcique, hyperparathyroïdie secondaire, varices œsophagiennes et asthénie. Du coup, il y en a un qui ne peut pas être induit par l'insuffisance rénale chronique. Sans surprise, voilà, c'est les varices. Bon, vous voyez que quand je fais un QCM simple, ce n'est pas très brillant. Voilà. Concernant les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? Alors là, j'ai foutu des trucs de PK parce que c'est marrant. Voilà, donc... je voulais vous mettre des trucs sur l'inversion de phase, en fait. Donc, dans l'inversion de phase, la constante de vitesse d'absorption est supérieure à celle d'élimination. Là, j'ai mis la même chose, mais pour le temps de demi-vie. Donc, il y en a un qui dit A. Voilà, c'est quoi la phase d'inversion de phase ? Ouais, en gros, c'est ça, c'est le flip-flop. En gros, c'est le... Quand, ben justement, en fait... En répondant au QCM, on peut savoir ce que c'est le phénomène d'inversion de phase. En fait, je me suis dit, comme on ne le voit peut-être pas partout, et que ça pouvait en soi... Enfin, si notre prof pose des QCM, ça peut tomber. Du coup... Mais bon, ce n'est pas le genre à poser des QCM, mais moi... je me suis dit qu'il faudrait faire peut-être un point dessus. Alors, c'est vrai que, bon, le faire en colle, ce n'est pas très sympa, mais je n'avais pas de conf de PK. Donc, voilà. Du coup, le phénomène d'inversion de phase, c'est ce que vous appelez le flip-flop. En gros... par exemple quand il y a certaines formes galéniques cheloues où la constante d'absorption est inférieure à la constante d'élimination et donc par inversement puisque K est égal à ln de 2 sur T1,5 d'absorption, le T1,5 de l'absorption il est supérieur au temps de demi-vie d'élimination. En gros c'est quand le temps de demi-vie d'absorption est supérieur au temps de demi-vie d'élimination. Moi, c'est comme ça qu'ils nous l'ont appris, ça voilà. Et tandis que de base, le temps de demi-vie d'absorption, en théorie, il est censé être inférieur au temps de demi-vie d'élimination, mais dans le phénomène d'inversion de phase, c'est l'inverse. Voilà. Après, pourquoi bon, on m'avait dit que c'était dans certaines formes galéniques que c'était différent. Et voilà. Du coup, je vous ai fait un QCM dessus, genre, pour si jamais un jour il vous parle d'inversion de phase, que vous sachiez qu'en fait, c'est vraiment l'inverse de d'habitude. Donc d'habitude, T1,5 de A est inférieur à T1,5 de E, et K est supérieur à KE, ben là, c'est l'inverse. Tout est inversé. Voilà. Et existe dans certaines formes galéniques. Quel est l'intérêt de cette forme galénique ? Je ne suis pas galéniste. Je déteste ça. Voilà. Mais non, je n'aurais pas rajouté l'inversion de phase à mon exo de PK. Je ne suis pas si horrible, promis. Et en plus, je n'aurais même pas su comment le mettre. Donc, même si j'avais voulu... j'ai hésité en question bonus. Je ne savais pas comment le mettre. Voilà. Mais en vrai, ouais, je voulais juste le mettre. J'aurais peut-être dû mettre un QCM bonus, mais je savais pas, j'y ai pas pensé en fait. Le lactam dépend de la forme galénique, ça c'est vrai. Ça va dépendre, le temps d'absorption va dépendre de la galénique. Et le lactam reflète la biodisponibilité, non, pas du tout. Ça varie en fonction de la forme galénique, du contexte. Donc si vous êtes, c'est assez intuitif en soi. Si vous êtes agent ou postprandial, ça, les médicaments n'auront pas la même. Enfin, le lactam ne sera pas le même. Et voilà. Désolée, c'était un QCM pute, je l'avoue. Ensuite, les cinétiques saturables. Donc, est-ce qu'une cinétique saturable est une pharmacocinétique non linéaire d'ordre 1 et dose dépendante, peut être définie via l'équation de Michaelis-Menten, ne possède pas de demi-vie et résulte en partie de la saturation de la fixation aux protéines plasmatiques.
Donc, il y en a qui ont mis BCE, BC, ABCE. J'en ai oublié un. OK, ABCE. OK, donc la réponse est BCD. Donc, cinétique saturable, c'est une pharmacocinétique non linéaire d'ordre 0. C'est dose dépendant, c'est défini par, enfin, ça peut être défini par l'équation de Michaelis-Menten. Ça ne possède ni demi-vie ni clairance parce que c'est une quantité fixe. Pareil, ça, je l'ai trouvé dans mes cours de PK que j'avais rajouté à la main de mon prof, et voilà. Et résulte en partie de la saturation de la fixation des protéines plasmatiques. En soi, oui, parce que si c'est saturable, ça peut être saturé par plein de trucs, mais ça peut, c'est pour ça que j'ai mis en partie, résulter de la saturation de la fixation aux protéines plasmatiques. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'effet de premier passage hépatique, la fixation aux protéines plasmatiques, les enzymes du métabolisme, la réabsorption, ça peut être plein de trucs. Voilà. Parce que, pareil, au concours blanc du Sud, une fois, on a eu un truc, ben, c'était l'an dernier, où on a eu un truc sur une cinétique saturable qu'il fallait calculer via une équation de Michaelis-Menten. Et en vrai, faut le savoir, quoi. C'est pas le truc qui tombe tout le temps en anal. Et ouais, ça avait fait mal. Du coup, je vous l'ai mis là pour que ça fasse pas mal dans un concours blanc éventuel. Voilà. Excuse-moi, j'ai une question par rapport à la D. De demi-vie. En fait, je comprends bien la réponse comme quoi ça s'élimine à un temps donné. Donc, en gros, admettons, on a une protéine qui élimine le médicament avant qu'on arrive à saturation. Avant qu'on arrive à saturation, tout va s'éliminer en même temps parce qu'on n'a pas saturé les protéines. Mm-hmm. Mais si on dépasse la saturation, là, il y a... Je veux dire, si on dépasse la saturation. C'est-à-dire que si la concentration va au-delà de la concentration saturante. C'est-à-dire que c'est plus saturé ? Non, ça veut dire que c'est au-delà de saturé, c'est sursaturé. Là, il va falloir un certain temps que, comment dire, que le temps que, par exemple, les enzymes qui éliminent le médicament se refassent, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de demi-vie, en fait. Ouais, mais je pense qu'on n'appelle pas ça une demi-vie. Enfin, c'est pas une demi-vie en soi. C'est, dans tous les cas, tu es saturé. Donc, si tu veux, tu es. En fait, comment dire ? Après, c'est peut-être pas une demi-vie dans le sens où c'est. Ouais, c'est pas une demi-vie en fait. C'est pas linéaire, donc c'est pas stable. C'est pas une demi-vie stable, quoi. C'est ça. C'est pas une demi-vie en fait. C'est une quantité qui est éliminée à un certain moment. Il y a un bouchon et ce sera éliminé progressivement. Voilà. Ok, ouais, je vois dans ce sens-là, ok. Ok. Je ne comprends pas la question. Il y a Mélissa qui me pose une question, mais c'est saturé, c'est dose dépendant du coup. Si c'est dose dépendant. Attends, mais qu'est-ce que. Non, c'est dose dépendant, oui, c'est ça. Si. C'est dose dépendant. Je comprends ton bug. Je comprends ton bug, mais si c'est dose dépendant dans le sens. Comment dire, c'est pas linéaire et ça dépend de la dose en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire si dans ton schéma que j'ai dans la tête et que je ne peux pas faire là, t'as une certaine dose élevée, en gros à cette certaine dose élevée, ben, ce sera plus saturé que, enfin je sais pas si c'est, ah c'est pas clair ce que je dis, si c'est dose dépendant, c'est pas dose indépendant, justement la pharmacocinétique d'ordre 1 c'est dose indépendant. Parce que peu importe la dose, ce sera éliminé pareil. Et voilà. Tandis que la pharmacocinétique saturable d'ordre 0, justement, c'est dose dépendant parce que selon la dose, tu vas être plus ou moins dans la merde pour l'éliminer. En gros, c'est ça la logique. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, tu me diras si ce n'est pas clair par. Tu me rediras. Pour les voies d'administration. Qui possède un temps d'absorption et d'élimination, lesquels possèdent un temps d'absorption et d'élimination ? Donc, c'était intramusculaire, sous-cutané et voie orale, parce que l'intraveineuse, en soi, elle est déjà absorbée, quoi. Enfin, donc, il n'y a pas de temps d'absorption. Ah, Mélissa est revenue. Yay.
Disons que la C d'équilibre est rapidement atteinte, mais qu'il n'y a pas d'effet sur l'élimination. Je continue et je te réponds après parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pour le QCM 8, c'était ACD. Pour le QCM 9, quels sont le ou les composés qui présentent une toxicité rénale? On avait... Je suis en train de vous montrer les réponses, ça ne va pas. Du coup, c'est niqué. On avait l'amphotéricine B, la cisplatine, l'éthylène glycol et le tétrachlorure de carbone. Voilà. J'ai remplacé des trucs. L'amphotéricine D, en gros, B, c'est néphrotoxique. Le cisplatine, évidemment. Éthylène glycol, oui, on le voit quand on fait la toxico que je déteste. Et pareil pour le tétrachlorure de carbone. Voilà. OK. Et la A et la B, ça fait IRA organique. Et je vous ai mis les mécanismes. Donc, voilà. Pour la 10... parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes, l'IRA fonctionnelle peut être due, et je vous ai mis plein de propositions. En vrai, c'est de la logique. Le mécanisme de tétrachlorure, pour la tox rénale, tu sais. Je t'avoue, non. Le tétrachlorure de carbone, je ne sais pas, par contre, je peux chercher, je me le note. Et si dans tox, je trouve un truc, je vous dis. Tétrachlorure de carbone, oui. Ok. Du coup, ouais, non, la tox, c'est pas ma passion, je t'avoue. voilà. QCM 10, l'IRA fonctionnelle. À quoi ça peut être dû? Donc, on a une vasoconstriction, l'artériole afférente rénale, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, péritonite ou brûlure de grand brûlé. C'est redondant. Mais c'est moi qui a fait le QCM. voilà. Je sais pas ce que vous avez mis, ça, c'est pas anal, donc c'est... Oh, en vrai, c'est intuitif. Ou presque intuitif. A, B, C, E, ouais. Il y en a même une en plus. Il y a la D. Donc, pour la A, oui, parce que chute de pression hydrostatique dans le glomérule. Pour la B et la C, c'est pareil parce que dans tous les cas, ça va faire un débit cardiaque qui sera bas. Donc, ça va faire une IRA fonctionnelle, en fait. La D, c'est vrai, c'est pas intuitif pour le coup. Enfin, c'est pas intuitif, on n'y pense pas. Mais la péritonite peut aussi faire une IRA fonctionnelle parce qu'il y a une redistribution des volumes. Et donc, ça peut faire une IRA. Et les brûlures, bah oui, parce que les pertes hydriques, et du coup, pareil, IRA, c'est la galère. Voilà. Ah, et à vous deux, vous aviez la bonne réponse, nickel. OK. Et du coup, pour la 11, donner les réponses exactes concernant une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Et le plus souvent lié à un streptocoque, affecte plus la femme enceinte primipare, s'accompagne d'une protéinurie le plus souvent sélective, due à un agent infectieux autre que le streptocoque, et s'accompagne de signes cliniques d'hyperhydratation. CDE, ACDE, vous n'êtes pas loin, c'est DE. Donc, c'est pas sympa, mais c'est un streptocoque du groupe A et pas du groupe B. Voilà. Ça n'affecte pas plus volontiers la femme primipare. Ça accompagne une protéinurie le plus souvent sélective, non. Par contre, ça, c'est un QCM d'anal, peut être dû à un agent infectieux autre que le streptocoque carrément, et s'accompagne de signes cliniques d'hyperhydratation. Autre que le streptocoque, ça peut être EBV, trucs comme ça. Et ça accompagne de signes cliniques d'hyperhydratation, oui. Le colis, ouais, si tu veux. Enfin, il y a plusieurs, quoi, en gros. OK. Ah. Là, c'est moi, c'est pas sympa. Quelles sont les propositions exactes concernant le syndrome néphritique? Parce que je pense que c'est peut-être pas clair.
certains. La diff. Ouais, vous avez mis la C, C, E. Alors, du coup, c'est le syndrome néphritique. Ouais, ouais, voilà, BCDE. A, B, C, D, E. En gros, c'est un syndrome néphritique. Du coup, le syndrome néphrotique et néphritique, ce n'est pas la même chose, et j'en suis navrée. En gros, le syndrome néphrotique impur, c'est le syndrome néphritique. Du coup, faites gaffe, si jamais en QCM, ils vous mettent syndrome néphritique, c'est un syndrome néphrotique impur. Et du coup, il faut mettre les trucs de base que vous ne cochez pas d'habitude quand c'est néphrotique pur. Donc, hématurie, insuffisance rénale. Voilà. Excuse-moi, j'ai une question. Ouais. La protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Ouais. Ah non, c'est bon. Excuse-moi, désolé. C'est bon, désolé. Ouais, bah, y a quelqu'un qui a bugué aussi. Moi, j'ai 3 grammes par 24 heures. Et non, pardon, j'ai peut-être pas parlé assez fort. Le syndrome néphritique, c'est le syndrome néphrotique impur. Je te le marque, si tu veux. Néphritique égale néphrotique impur. Il n'y a pas un délire d'infection ? Un délire d'infection, c'est-à-dire ? Dans le syndrome néphritique. Non. Bah après, ça dépend de la cause de ton syndrome néphrotique, quoi. Enfin, de ton syndrome néphritique, du coup, pour le coup. Mais non, pas à ma connaissance, pas systématiquement, non. Pour moi, ce que j'avais compris, c'est que le syndrome néphritique, c'était en fait l'autre nom pour syndrome néphrotique impur et qui, je sais pas, il l'appelait néphritique. Et du coup, c'était, t'avais en plus des signes genre insuffisance rénale, hématurie, trucs comme ça. Donc, c'est un néphrotique impur, en fait. Voilà. Alors, pour moi, j'ai plus de... peut être plus de 3 grammes par... C'est pour ça que j'ai mis généralement, parce que c'est pas systématiquement plus de 3 grammes par 24 heures, mais ça peut être plus de 3 grammes par 24 heures. Et généralement, dans le syndrome impur, pardon, c'est plus de... Enfin, moi, ce que j'avais dans mon cours, c'était que c'était plus de 3 grammes par 24 heures. Voilà. Mais du coup, si vous êtes plusieurs à bugger, je vais vérifier quand même, parce que ce serait con. Néphrotique. Vous vérifiez ça. Mais pour moi, c'est plus de 3 grammes par 24 heures. Et pour Albu. Et voilà. Ouais. Bon, ben, on n'a pas toutes les mêmes sources. Bon, je vérifie sur des sources sûres et je vous dis ça dans un canal de bioche, du coup. Non, je le mettrai dans la correction. Si jamais il y a un truc à modifier, je le mettrai dans la correction que je vous mets. Comme ça, vous aurez tout au même endroit et il n'y aura pas de problème. Pareil pour le tétrachlorure de carbone, là, si jamais je vous mets ça là. Comme ça, tout le monde l'a et vous n'avez pas besoin de regarder le chat constamment, là. OK. Mais néphritique, pour moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était ce que je vous ai dit, syndrome néphrotique impur. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit systématique, l'hématurie, l'insuffisance rénale, etc., mais ça peut être présent. C'est ça que ça, la nuance. Voilà. Après, je vous avoue, je n'ai jamais croisé de néphritique à l'hôpital. Donc, enfin, c'est des connaissances théoriques, quoi. Donc, voilà. Protéinurie, ben pour moi c'est un syndrome néphritique aussi. Ce que tu me dis, la A et la B, c'est des signes du syndrome néphrotique. Oui, c'est des signes du syndrome néphrotique, mais aussi du syndrome néphritique pour moi. Mais du coup, je vais vérifier parce qu'il y en a certains qui bug sur le 3 grammes. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, si ça avait été syndrome néphrotique pur, ça aurait été AB. Mais là, c'est pas le cas. Voilà. Mais je vous vérifie ça, du coup, parce que vous mettez le doute sur le 1. Mais moi, j'avais 3, donc je regarderai. OK. Parmi les propositions suivantes concernant la créatinine, elle est principalement éliminée par filtration glomérulaire. Sa concentration plasmatique est indépendante du catabolisme. Concentration plasmatique augmentée au cours de l'insuffisance rénale sévère, présente sous forme conjuguée dans le sang, et concentration plasmatique qui dépend de la masse musculaire. Qu'est-ce que vous avez mis ?
ABCE, ACE, ACE, ACE. OK. ABCE, je suis d'accord avec la première personne. Donc, vous êtes à peu près tous d'accord qu'elle est principalement éliminée par filtration glomérulaire. Sa concentration plasmatique, elle est bien indépendante du catabolisme des protéines. Ça, c'était un truc d'anal. Concentration plasmatique augmentée au cours de l'insuffisance rénale sévère. Et, OK, qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais. Concentration plasmatique dépend de la masse musculaire, ça, c'est vrai. Et présente sous forme conjuguée, pas du tout, c'est la... ça n'a rien à voir, quoi. Genre, c'est la bilirubine, c'est pas ça. Voilà. Vous avez bugué sur quoi ? Sur la D, vous n'avez pas bugué. Vous avez bloqué sur la C et la B. Pourquoi la B, je ne comprends pas, sa concentration n'est pas d'importance. Ça dépend de la masse. Et oui, mais c'est... Attends. Ça aurait été vrai si c'était le catabolisme musculaire. Ouais, c'est ça. C'est que, en gros, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le piège. Indépendante du catabolisme des protéines, je pense que le piège qu'ils ont voulu mettre là, c'était que c'est pas toutes les protéines. Je pense que c'est un peu vicieux comme piège, j'avoue. Je pense que le piège, c'était plus par rapport à la fixation aux protéines, dans le sens où la créatinine, elle n'est pas fixée aux protéines. Je sais pas. J'avoue que là, je sais pas. Je vous avais mis un QCM sur la créat. Ça fait partie. Et, j'aurais bugué sur la B aussi, j'avoue. Mais en vrai, je pense que c'est indépendant du catabolisme des protéines, dans le sens, c'est pas toutes les protéines. Mais j'avoue, c'est un peu putré. Ouais. Je suis pas. Pas ça ou sur la B. Ouais. Parce qu'en soi, c'est dépendant du catabolisme des protéines au niveau musculaire, parce qu'avec l'âge, blabla. Donc, ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec. Ouais. Ouais, mais pour le coup, c'est un truc d'anal, là. Donc, indépendant du catabolisme protéine, ouais. Ouais, ben là, truc d'anal, donc je laisse comme ça, mais voilà. Je vous avoue que, ouais, c'est la seule raison que je vois, indépendant du catabolisme, dans le sens, pas toutes les protéines, pas le catabolisme de toutes les protéines. Voilà. Mais si vous avez une meilleure explication, je suis preneuse. Ok. Après, il y a encore un truc néphrotique de moi parce que I love syndrome néphrotique. Étiologie exacte concernant le syndrome néphrotique. Donc, on a le néoplasique, donc cancer, venin de serpent, génétique, bactérienne et le LED. Je ne sais pas ce que vous avez mis. Il y en avait beaucoup à cocher. Ouais, quasiment. Alors, avec les deux premières réponses, vous avez tout bon. C'est tout. Donc, c'était pour vous faire un point sur les étiologies du syndrome néphrotique. Donc, ça peut être absolument ces cinq trucs. Ça peut être dû à un cancer avec les listes que je vous ai mis, mais il y en a bien plus. Le venin de serpent, parce que ça peut être allergique avec des trucs de serpent, des antitoxines, des piqûres d'insert, ça peut être déclenché par ça. Ça peut être génétique, donc avec la drépanocytose et avec d'autres trucs congénitaux. Bactérien avec la lèpre, le syphilis. Et immuno, en fait, avec lupus, mais aussi avec d'autres. Donc, le syndrome de Sjögren, je ne sais pas comment ça se dit, des trucs comme ça. En gros, le syndrome néphrotique, c'est la merde parce que ça peut être déclenché par plein de trucs différents. Voilà. Du coup, ça peut potentiellement tomber plein de sujets différents, mais voilà. Donc vous pouvez le retrouver dans plein de choses, donc il faut faire gaffe, ce sera pas forcément un truc que sur le syndrome néphrotique. Voilà. Parmi les propositions suivantes, laquelle sont exactes? Phénomène de concentration finale des urines. Ah oui, ouais, je vous ai fait un truc pas mal néphro, c'était pas très sympa, mais c'était mon thème de colle. Concentration finale des urines, ouais, je sais pas ce que vous avez mis. Vous avez peut-être faim aussi. Désolé. ACDE, ADE, vous êtes à peu près d'accord entre vous. Donc, c'était bien. ACDE, c'était une anal aussi, ça. Voilà. Siège de concentration, dilution urinaire et via les avoues. Ouais, c'est ça. En gros, le phénomène de concentration finale des urines, c'est au niveau du tube collecteur. Ça repose sur une réabsorption d'eau indépendante de celle du sodium, ça c'est vrai parce que c'est contrôlé par l'ADH et c'est conditionné par l'existence d'un gradient d'osmolalité
corticopapillaire, ça c'était une malouette de frites. Et voilà. Et c'était via le oui, voilà, via les aquaporines. Parmi les propositions suivantes concernant les modifications biochimiques. Oui, pardon. Je t'ai envoyé les réponses QCM juste en lettres sur une feuille blanche, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tout me va. C'est pas grave. J'ai pas de lecteur optique. Parmi les propositions suivantes concernant les modifications biochimiques observées dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, laquelle et lesquelles sont exactes? Ouais, donc quelles modifications sont exactes dans l'IRA fonctionnelle? Vous avez mis ACE, ABE, E, ABCE. On n'est pas d'accord. Alors, c'est ABE. Je ne sais plus avec qui je suis d'accord, mais je suis d'accord. Donc, dans l'IRA aiguë fonctionnelle, enfin dans l'IRA fonctionnelle, c'est l'urémie élevée. Bon, ça, on est d'accord. Le rapport urée sur créate supérieur à 0,1, c'est vrai. Il y en a certains qui apprennent supérieur à 1. Mais c'est pareil, en fait, c'est juste que il y en a un, c'est en millilitres et l'autre, c'est en litres, un truc comme ça. Enfin, c'est le même principe. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont 100. Enfin, en gros, c'est si tu es en millilitres ou en... C'est une histoire d'unité, en vrai. C'est genre, que ce soit 0,1 ou 100, c'est la même. C'est une histoire d'unité. Entre si tu mets, je sais plus, je crois que c'est ceux qui ont 100, vous mettez tout en millilitres ou je sais plus ce que vous faites. Il y a un truc avec les unités. Mais ouais, voilà, c'est ça. Il faut une espèce de conversion. Voilà. Nous, on avait appris à 0,1. Du coup, désolé si ça vous a perturbé. J'y ai pensé après que je me suis dit merde, peut-être qu'il y en a, ça va. En même temps, c'était chelou si je mettais supérieur à 100 et pas 0,1 pour moi. Enfin, bon. Mais oui, en gros, supérieur à 0,1, ça marche aussi. Et dans les annales, oui, je crois que j'avais déjà croisé supérieur à 100. Et c'est pareil, c'est selon les unités. Donc, c'est bon. Ça a dû vous perturber. La C et la D, c'est faux. Parce que pour le coup, c'est pas modifié. Et par contre, la créate élevée, oui. Pour le coup. Ça, donc la A et la E, c'était sûr. Et la B, désolé si ça vous a perturbé. J'ai pas tilté sur le coup quand je l'ai écrit. Voilà. Et là, j'avais trouvé une explication chouette, donc je vous l'avais mis. Je vous laisserai la lire. Pour expliquer en fait l'IRA fonctionnelle, que c'était voilà, soit une hypovolémie vraie, soit une efficace, donc avec un problème qu'on a vu tout à l'heure d'insuffisance cardiaque, truc comme ça, sepsis, péritonite. Voilà. Pour la physiologie rénale, celles qui sont exactes, l'urée urinaire constitue la forme principale d'élimination des déchets azotés, rein à l'origine de la synthèse 25OH, ADH, principale hormone régulant la diurèse, clairance de l'inuline constitue la méthode de référence pour évaluer les fonctions tubulaires et le rein intervient dans le métabolisme de l'érythropoïèse essentiellement pour assurer son élimination. Donc, vous avez mis AC, AD, ACD. C'est bon, ouais. Vous êtes d'accord tous les deux. Ok, c'est AC. Donc, pour la D, c'est la détermination du débit de filtration glomérulaire. Et pas des évaluations de fonctions tubulaires, désolé, c'était pas sympa. La B, vous avez bien vu que c'était pas la 25OH parce que c'est la 1,25OH. L'urée, bon, ça élimine les déchets azotés. Et après, bon, la DH, c'est la principale hormone régulant la diurèse, on est d'accord. Et la E, la création de PO, c'est au niveau des cellules endothéliales péritubulaires. Et du coup, voilà, intervient dans le rein dans le métabolisme de l'érythropoïèse essentiellement pour assurer son élimination. Bon, du coup. Voilà. Donc, c'était AC. C'est bien l'urée éliminée en déchets azotés et ADH, principal hormone régulant la diurèse. Voilà. Et le dernier QCM. Parmi les propositions suivantes concernant les protéinuries, lesquelles sont exactes? Protéine de Benz-Jones n'est pas détectée par la technique des bandes rétractives au bleu de tétrabromophénol. Protéinurie physiologique inférieure à 150 mg par 24 heures, orthostatisme cause de protéinurie, pardon. Protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures dans syndrome néphrotique, on va encore pas être copains, et la protéinurie normale exclut une pathologie rénale. ABCD, ADSCD, ok, BCD, donc c'est ABCD. Protéines normales exclut une pathologie rénale. Donc non, les critères pour analyser les pathologies rénales, c'est sur l'urée, la créate. Donc même si vous avez une protéinurie normale, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de pathologie rénale.
Voilà. Voilà, voilà. Pourquoi la A est vraie? C'est comme ça. la protéine de Benjos n'est pas détectée par la technique. Je t'avoue, au niveau technique, la technique au bleu de tétrabromophénol, je ne la connais pas, mais La protéinurie de Benjos, normalement, on peut la détecter par bandelette urinaire. On est d'accord? Ouais, je ne sais plus. Donc là, l'embrouille, elle doit être sur le... L'embrouille, elle est sur le bleu de tétrabromophénol, très certainement, oui. Il y a une embrouille, c'est sûr. Tout le monde dit non. Je ne me rappelle plus. La protéine de Benjon, en vrai, je ne sais plus. Je n'ai pas mon cours sous les yeux. Il faut que je te vérifie ça. Attends. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Protéine de Benjon, il y a moyen que non, en vrai. Attends. Je t'avoue, ça, c'était un QCM d'anal, du coup... Parce que là, j'ai dit que c'était détecté par un BU. Pas du tout, du coup. Ouais, non, en fait, c'est pas du tout. Non, mais c'est ça le problème. C'est pas détecté par les par la bandelette urinaire, en fait. Et c'est ça le problème, du coup. Mais bleu de tétrabromophénol ou pas, c'est faux parce que c'est pas détecté par les bandelettes urinaires, en fait. C'est ça le. Voilà. C'est ça le bug. Vive la bioche. Voilà. Je ne sais pas si dans ton cours, toi, tu avais l'inverse ou pas. Mais a priori, ce n'est pas détecté par les bandelettes urinaires. Bon, voilà. Du coup, je vous cherche le tétrachlorure, le mécanisme sombre de toxicité. Je change le plus par un moins qui est honteux. Et le syndrome néphritique, je vous vérifie ça. Si je ne trouve pas de contre-indication à ce que j'ai marqué, je le laisse. Si, effectivement, vous avez raison, je le change et je vous le mets. Et voilà les réponses de la 14. De toute façon, ça, je vous l'envoie. Ouais, en vrai, je trouvais ça cool, les trucs sur le syndrome néphrotique. Du coup, j'ai mis des XM. Mais après, si vous ne saviez pas ou quoi, on s'en fout. Hein, on est en juillet, vous n'en faites pas, hein, vraiment pas de stress sur l'école. C'est pour s'entraîner. Je trouve ça chiant de mettre des trucs bateaux et de mettre que des annales ou des trucs comme ça. Donc, je vous ai fait un mix. Après, désolé si c'était trop compliqué. Voilà. La 18. Orthostatisme peut être cause d'une protéinurie. Je t'avoue que pareil, c'était une anal. L'orthostatisme, cause de protéinurie, c'est le mécanisme exact de pourquoi l'orthostatisme, ça fait une protéinurie, I don't know. Mais je l'avais appris comme ça. Après, je crois que c'est dû, tu restes trop assis, du coup, tes muscles qui se lisent et protéinurie. Je sais pas. Non, parce que Ouais, voilà. C'est ça, c'est quand tu passes de la position assise à debout. Du coup, je te cherche ça. En vrai, je te cherche ça. Je te vais te faire ma meilleure explication physiologique. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est bon. J'essaie de vous corriger la colle au mieux de mes capacités rapides. Mais en vrai, ce sera pas avant, ce sera pendant la semaine du 25 que vous aurez les résultats, quoi. Voilà, désolé. Du coup, vous n'aurez pas le dimanche 24, attendez pas les résultats de ma colle parce que vous ne les aurez pas. Mais la semaine du 25, je le fais le plus vite possible pour que vous l'ayez max le 30. Quoi. Voilà. Mais en vrai, normalement, vous l'aurez avant. Voilà. Bon, salut, du coup, merci pour votre participation.